Bonjour, aujourd'hui voici un exercice de jury sur le thème dénombrement, surtout, mais aussi polynôme, aussi racine de l'unité. Voilà, c'est un exercice de mon collègue et ami de longue date, hein, Daniel Juteau. J'ai connu quand il était en thèse. Comment vous le présenter? Daniel Juteau, c'est un mathématicien costolulu, c'est un algébriste de talent. Un théoricien des représentations, c'est un chevalier de l'algèbre qui a fabriqué sa propre épée, en quelque sorte. Grand artiste, hein. Il a fabriqué son épée dans une forge où pas grand monde ose aller. Tapez par exemple faisceau pervers en caractéristique P et vous allez voir le vertige des profondeurs. Mais l'exercice qu'il propose est un exercice simple qui peut se décliner à plusieurs niveaux. Je dis exercice de jury, mais là je triche un peu. En fait, il a été donné à l'entrée de l'École normale supérieure de Pise, paraît-il, d'après Daniel. Voilà. Bon, allez, on y va, on attaque l'exercice. On dispose de deux jeux, de deux dés non pipés. Alors, il y a le premier jeu de dés, c'est le jeu normal. Vous avez deux dés que vous lancez. C'est des cubes à 6 faces, numérotés de 1 à 6. Donc les dés qu'on a l'habitude de voir. Le second jeu de dés, alors c'est, il y a encore deux dés, non pipés, hein, ils sont toujours non pipés. Il y en a un à 4 faces, bon on peut imaginer un tétraèdre. Il y en a un à 9 faces, alors bon, un dé non pipé, bon, à 9 faces, on peut se demander, mais on est en maths et c'est aussi l'imagination au pouvoir. Alors voilà la question. Pour l'instant, les quatre faces de ce dé-là et les neuf faces de celle-ci sont inconnues. C'est à nous à mettre des nombres sur ces faces. Et la question, c'est comment placer des nombres entiers et strictement positifs, a priori, hein, sur chaque face du second jeu, d'accord, ici, de sorte que la somme des lancers des deux jeux est la même loi. Voilà. On sait quelle est la loi ici quand on a les cubes à 6 faces. Hein, par exemple, la probabilité de faire un 2, c'est 1 sur 36. La probabilité de faire un 3, c'est 2 sur 36. Jusqu'à faire un 7, où ça va être 6 sur 36. Et puis après, ça décroît hein, jusqu'à 12, où ça revient à 1 sur 36. Bon. Mais là, bon, comment faire? Alors, vous, d'abord, je vous donne deux remarques. La première remarque, c'est que 9 fois 4, ça fait 36, c'est-à-dire 6 fois 6. Voilà. Ça, c'est quand même pas tout à fait innocent. Mais la deuxième remarque, c'est que, faites pas l'erreur que j'ai faite au début, les nombres entiers que l'on met sur les faces de ces deux dés peuvent parfois être égaux. Ils ne sont pas censés être tous différents. Parce que moi j'ai cru que, je sais pas pourquoi, j'étais influencé par un ancien problème et j'étais parti sur le fait que les entiers étaient tous distincts, donc je voyais pas de solution au tout début, donc j'ai dû merder un petit peu. Bon, en tout cas, voilà, allez-y. Donc on y va. Donc on prend un dé qu'on va appeler dé, voilà une notation qu'elle est bonne, avec. Sur le dé, on va supposer que i de dé, c'est le nombre de i, donc qui part, bon, par hypothèse, hein, ils sont tous strictement positifs, hein. Le nombre de i sur ces faces, qu'on va trouver sur ces faces, et on va supposer qu'il a n de dé faces. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, pour ce dé-là, ben, ça va être, pour un dé normal à 6 faces, ben, ça va être x plus x2 plus jusqu'à x6. D'accord? Si sur le dé à 4 faces, eh bien, y a un 1, il y a 2, 3 et un 5, ça va être ben, x plus 2x3 plus x5. Voilà. Tout simplement. Ce qu'on va appeler le polynôme associé au dé, ça va être le polynôme générateur en quelque sorte du dé. C'est la somme de i d x puissance i. Et étant donné qu'il a en tout n de d faces,
Bah, ça veut dire que la somme des AI de D, ça fait N de D. Et P, indice D de 1, est égal donc à N de D. Bon, voilà la première remarque. Maintenant, bon, l'élancé de 2D, c'est indépendant. Quand on va faire P indice D fois P indice D', où D et D' sont les dés qu'on lance en même temps de façon indépendante. Bon, bah, par le produit de Cauchy, ça va nous donner ce polynôme-là, avec donc comme coefficient en xk, bah, justement, ce somme de AI de D, AI' de D', quand I plus I' est égal à k. Bien. Bah, finalement, ça, on se rend compte que c'est la somme égale à k, c'est exactement cette somme que l'on fait quand on fait un lancer de dés. Donc ça, c'est le polynôme générateur de la somme des deux lancers, hein, puisque ces deux lancers sont indépendants. Hein, le fait d'avoir un i pour l'un et i' pour l'autre, l'intersection, ben c'est le produit par indépendance. Bien, alors donc, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1, pd de 1 est égal à 4, comme tout à l'heure dans mon polynôme x plus, qu'est-ce que j'avais dit? 2x3 plus x5. pd' de 1 est égal à 9, donc D c'est ce D là et D' c'est ce D là. Et on sait que P D fois P de D', puisque c'est la même loi, bah, c'est bah, le P de D0 au carré, ici. C'est x plus x2 plus jusqu'à x6 au carré. Voilà donc mes contraintes. Hein. Vous voyez bien que répondre à la question, c'est connaître l'inconnu P indice D et l'inconnu P indice D', c'est exactement répondre à la question. Et donc ça revient à résoudre ce système, finalement, d'inconnus, des polynômes. Mais vous voyez bien ce qui se passe. Ce système, si on veut le résoudre, c'est un système factorisé en quelque sorte, qui va demander eh ben, la factorialité de quoi? Bah, des polynômes. Sur quoi? Alors, c'est là où en arithmétique, on a des réflexes, on va essayer de regarder ça sur Q, mais ici, on peut carrément regarder ça sur R, pour des raisons purement de nombres qu'on a ici. Alors regardez, vous avez x plus x2 plus x6, etc. Hein, d'accord? Au carré. Donc déjà, on regarde ce polynôme-là. Si on met x en facteur, on reconnaît une série géométrique de premier terme 1 de raison x, donc c'est x6 moins 1 sur x moins 1, toujours fois x. Et là, on va avoir x, x plus 1, x2 plus x plus 1, x2 moins x moins 1, si on factorise. Alors c'est facile, hein, tout le monde sait factoriser ça. Hein, x6 moins 1, ça va être x3 moins 1, facteur de x3 plus 1. x3 moins 1, ça va faire x moins 1 qui se simplifie ici, facteur de x2 plus x plus 1, et x3 plus 1, ça va être x plus 1, facteur de x3 de moins x plus 1. Hein. Donc on retrouve tout ça facilement. Bon, alors c'est facile de voir que c'est une décomposition en irréductible. Et ça, vous voyez que c'est important, puisque on veut extraire, on a besoin de cette unicité, ce qu'on veut extraire ici des polynômes d'une identité comme ça, où a priori ils sont coagulés les deux là. Bon, voilà, donc il faut les séparer. Et ça, c'est la factorialité qui nous donne ça. Donc ici, vous avez x irréductible, x plus 1 irréductible, puisqu'ils sont de degré 1, x2 plus x plus 1, bah, irréductible sur R, hein, parce qu'il est discriminant négatif et de degré 2, et là, pareil. Donc, bon, alors, évidemment, si on devait regarder l'exercice dans un cadre plus général, on aurait des choses plus intéressantes du côté de l'irréductibilité sur Q, parce que ces polynômes sont des polynômes cyclotomiques, ce dont on ne se servira pas ici. Hein, mais il faut quand même que ça parle aux gens qui connaissent les polynômes cyclotomiques, c'est là où les racines de 1, de l'unité, interviennent. Donc maintenant, bon, le x n'a aucune importance dans cette factorisation, quitte à diviser lui par x, lui par x, étant donné que tous les i sont strictement positifs, ça c'est divisible par x, hein, les deux sont divisibles par x, et donc on peut simplifier les x. En plus, x en 1, ça fait 1, donc ça change rien. Donc maintenant, ça veut dire qu'il faut factoriser cet objet-là, donc phi 2 carré
phi 3 carré, parce qu'on a les dos carrés, hein, phi 6 carré, en deux polynômes PD et PD prime. Bon, alors pas tout à fait, parce qu'il faut diviser par x, donc voilà. Qui vérifie PD de 1 égale 4 et PD prime, je mets un tilde parce que j'ai divisé par x, hein, de 1 égale 9. Voilà. Bon, alors des factorisations ici, possible, vérifier, hein, il y en a 2 puissance 6. Des factorisations, on va dire, en polynômes unitaires. Bien. Mais on va regarder juste les factorisations en deux polynômes qui, évalués en 1, donnent respectivement 4 et 9. Alors, donc justement, j'ai dit le mot unitaire, ça c'est important. Ici, on a unicité, on utilise l'unicité de la factorisation pour retirer ici les polynômes là. Mais cette unicité, il y a un petit codicille, il y a un petit, voilà, il y a des petits caractères hein, dans le théorème, c'est que c'est unique modulo des inversibles. Alors, bah oui, c'est-à-dire que les polynômes pourraient être multiplié ici par alpha, si on a une solution P indice D et P indice D prime, on a aussi une solution avec alpha P indice D et 1 sur alpha P indice D prime. Mais la première remarque, c'est que les polynômes sont unitaires. D'accord? Quand on va ici, on a des polynômes unitaires. D'accord? Donc le produit de polynômes unitaires, c'est un polynôme unitaire. Et comme les polynômes ici sont à coefficient dans les entiers, et même les entiers strictement positifs, eh ben, le coefficient principal de chaque polynôme, si on les appelle je sais pas moi, A et A', ben, ça va être A fois A' est égal à 1, puisque le produit est unitaire, et ça va faire A et A' sont égaux à 1. Voilà. Donc, bon, bref, les polynômes sont unitaires, donc on n'a pas à se soucier de ce petit problème de modulo les inversibles dans l'unicité de la factorisation. Donc on y va franco. On regarde maintenant phi 2 de 1, ça fait 2. Phi 3 de 1, ça fait 3. Phi 6 de 1, ça fait 1. Donc les seules façons de décomposer ce polynôme scindé en deux polynômes unitaires, bon, un coefficient entier bien sûr, positif, eh bien ça va être 2, 2. D'accord? Si je prends phi 2, phi 2, là ça va faire mon polynôme, d'accord? Parce que le produit des évaluations, c'est l'évaluation en 1 hein, du polynôme produit. Donc on va avoir phi 2 fois phi 2, et évidemment, phi 2 au carré, son évaluation en 1, ça va être 4, 2 fois 2. Phi 3 fois phi 6, ou phi 2 fois phi 6, et phi 3 fois phi 6. Tout court, ou phi 2 fois phi 6, et phi 3 fois phi 3. Voilà. Bon, bah maintenant, est-ce qu'on gagnait tous les coups? Non, il faut quand même faire des calculs. Parce que qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, phi 2 au carré, c'est facile. C'est x2 plus 2x plus 1. Étant donné que il faut, donc ça c'est le P tilde, pour retrouver le P, ça fait x3 plus 2x2 plus x. Voilà. Donc ça veut dire que mon dé a quatre faces, il va avoir un 1, il va avoir 2, 2, et il va avoir un 3. D'accord? Voilà. Hein, donc il y a cette multiplicité dont je vous parlais là. Donc ça ne pose pas de problème. Mais il faut remarquer que phi 6 pose lui un problème parce que il a un coefficient qui est négatif et donc on est obligé ici pour la solution c'est des nombres donc il nous faut des polynômes négatifs et donc parmi ces choix possibles ces trois choix possibles il faudra éliminer ceux qui nous donnent à la fin des polynômes négatifs. Vous allez voir que il n'y en a pas. Voilà donc cette partie élimination. C'est que du bonheur, c'est du calcul quand même, et je vais vous donner juste la solution, parce que vous voyez que là maintenant, c'est juste du calcul. Voilà, après la partie semaille, on arrive à la partie récolte. On a ici le premier cas, ici, hein, voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, miracle,
ça nous donne un. Ben ici, on l'avait vu, c'est pas un miracle, mais ici, un petit peu plus, quoi. On a deux polynômes à coefficient bien dans n. Donc, ça fait sens. On peut créer un dé avec ça, si vous voulez. Là, on avait dit 1, 2, 2, 3. Et l'autre, pour ce polynôme-là, on trouve 1, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 9. Ensuite, celui-ci, eh ben bingo, encore une fois, pour ce couple-là, on va tomber sur deux polynômes bien à coefficient dans n. 1, 2, 4, 5. Et 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Et enfin pour celui-ci, 1, 4, 4, 7. Et 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Et bon, voilà, on en a 3. Et on n'a que ces 3-là, parce que vu la factorialité et ce petite histoire d'unitarité, eh bien on les a tous. On fait une petite pause et on admire le paysage quand même. Alors, regardez. Vous voulez donc avoir un. Bon, on va avoir un 7. Allez, on va avoir un 7. Donc, il faut que ce soit comme le premier jeu de dés. Donc, il faut qu'il y ait 6 possibilités d'avoir un 7. Donc, ici, vous allez avoir. Ça va être quoi les possibilités d'avoir un 7? Bon, ben, pas avec le 1, vous voyez. Vous avez des possibilités d'avoir un 7 en faisant 2, 5. Donc, ici, vous allez avoir 2, 5. Mais 2, vous en avez 2. Et des 5, vous en avez 3. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Voilà. C'est tout, hein. Et 3 avec 3, il n'y a pas de 4 ici. Donc on retrouve les 6 possibilités d'avoir un 7 comme dans le jeu de dés normal. Par exemple, d'avoir un, je sais pas, dites-moi, un 4. Alors d'avoir un 4 ici, vous allez avoir 1, 3, 1, 3, ça fait 2. Et 3, 1, ici, ça fait 1. Donc on a les 3 possibilités d'avoir un 4 exactement comme dans le jeu de dés normal. Donc amusez-vous à vérifier le reste ici, hein, vous voyez, le 9 qui peut surprendre, ben oui, c'est pour donner ce 9 plus 3 est égal à 12, hein, qui fait 6 plus 6, etc. C'est miraculeux. Alors après, peut-être que notre cerveau de mathématicien va dire, est-ce qu'on peut généraliser? Alors oui, on va généraliser. Mais maintenant, les polynômes, on va toujours avoir des polynômes cyclotomiques. Pour essayer de comparer finalement un jeu de dés quelconque, finalement, avec un jeu de dés aussi quelconque dans les tailles, mais celui-ci, il posséderait des nombres uniformes de 1 à n sur les faces, et là, on ne sait pas encore. Voilà, d'accord? Bon, et ben, maintenant, ben, on aurait encore les polynômes cyclotomiques, grâce au premier jeu de dés, hein, qui va nous donner le polynôme 1 plus x, etc., plus jusqu'à xn moins 1. Donc, qui va se décompenser xn moins 1 sur x moins 1. Voilà. Et donc ça va se décomposer en polynôme cyclotomique. Là, cette fois-ci, on a vraiment besoin de l'irréductibilité des polynômes cyclotomiques sur Q. Donc là, ça fait un intérêt supplémentaire. On a toujours le côté unitaire, il n'y a pas de problème. Mais c'est la fin qui est difficile, c'est-à-dire comment on va pouvoir éliminer les cas. Ici, on n'a pas eu de cas à éliminer, mais il y avait des cas éliminables. On peut imaginer ici avec, je ne sais pas moi, 2 et 18 au lieu de 4 et 9, 2 et 18, bon, 2, un dé à deux faces, ça s'appelle une pièce. Hein, okay. Bon, avec 2 et 18, on pourrait essayer d'imaginer, et on aura certainement, des polynômes à éliminer. Alors, quelles sont les combinaisons ici à éliminer, c'est-à-dire quels sont les produits de polynômes cyclotomiques, je vous rappelle que les polynômes cyclotomiques sont tous à coefficient dans Z et unitaires, qui donnent des coefficients entiers positifs. Alors ça, je pense que ça, c'est un os à ronger, et même, on peut se casser les dents. En tout cas, merci à Daniel pour ce petit exercice bien sympathique, et il m'en a donné un autre, j'en parlerai la prochaine fois, et puis, vraiment, je lui rappelle, je suis très honoré qui suivent ma chaîne. Au revoir.